Salut à tous, c'est Yogi. Donc voilà, aujourd'hui. Allez, putain de manette de con. Lollipop Shenpao. Voilà. J'ai depuis 2 jours. Là, on est lundi. Lundi, je sais pas combien. 11, je pense. Voilà, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Alors. J'ai joué un petit peu depuis 2 jours donc. Moi, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à Dead Rising. Je sais pas, c'est comme ça, c'est, je sais pas. J'avais testé Dead Rising sur PC, j'avais pas aimé du tout. Et là, celui-là, j'aime bien, c'est sympa. Bon, ce qui me fait chier, le seul truc qui me fait chier, c'est qu'en fait, c'est une pute de 18 ans, en fait, voilà, qui s'habille comme une pute, et ça fait un peu chier, quoi, à force. Mais à part ça, le jeu est sympa, ouais. On s'appelle Juliette, on vient d'avoir 18 ans, on est une pute et quoi encore? Bon, on est une chasseuse de zombies. Voilà. Les bruitages et les musiques, j'aime beaucoup. Graphiquement, bon, c'est normal. Hein, mais j'aime bien les décors. Ça fait pas peur, hein, c'est tant mieux. C'est un jeu de zombie, mais c'est pas fier ni rien. Hein, donc voilà. Difficulté, j'ai mis facile, on va pas se faire chier. Option, normal. Alors, chez moi, voilà. Tout ça, c'est ce qu'on découvre dans les jeux. Chaque objet, hop, on sait ce que ça veut dire. Voilà, ça c'est à chaque fois qu'on a tué un zombie, oui, voilà, on voit qui c'est, on peut voir les images aussi. Voilà. Non, j'ai oublié un truc aussi, ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est, je sais plus ce que c'est, les trophées. Ouais, c'est mes succès en fait, voilà. Ça, c'est les sucettes or qu'on a trouvé dans chaque niveau. Et là, c'est à chaque fois, des fois, on nous appelle et c'est soit notre père, notre mère ou notre soeur. Voilà. Enfin, on a plusieurs soeurs en plus. Donc voilà, allez. On commence. Non. Voilà, alors on commence sur le parking, après il y a la high school, et c'est là qu'on découvre en fait qu'il y a 4 mecs ou 5 mecs à battre. Je sais plus comment on les appelle par contre, des fantômes zombies bizarres. J'en ai battu un déjà, enfin un qui était là, j'en ai battu un deuxième là, et là reste encore 3, ouais donc ça fait 5. Voilà. Donc faire le premier niveau pour pas spoiler, pour pas mettre. Voilà. Après, dans chaque niveau, il y a des magasins, il y a des shops qu'on peut acheter pour. Enfin, on peut acheter des combos, des nouvelles compétences, des musiques, des galeries, enfin, des images pour la galerie. Et je sais plus. Des améliorations, genre 10% de vie en plus ou frapper plus fort, faire plus de dégâts. Et elle a un petit copain qui s'appelle Nick. Et voilà. Ah, il y a un bon truc que j'aime bien aussi. C'est... Vous allez voir. Après c'est un jeu vraiment vulgaire, dans les jeux putain il parle gras hein.
Mais c'est rigolo, c'est sympa. This is so irritating. Moi ça commence à me saouler. Allez, c'est bon là. Donc voilà, ce que je vais vous montrer c'est ça. Putain, chargement 100 ans. C'est qu'ils ont vraiment pensé à tout en fait. Parce que regardez, si je baisse la caméra... Ah non. C'est une folle. Voilà, et devant c'est pareil hein. C'est excellent quoi. C'est des fous quand même hein. Bref, allez c'est parti. Des fois il y a les QTE, ouais, c'est très rare, hein, mais il y en a. Alors A et Y pour faire des combos. Cule de sang de putain de merde, casse les couilles, ça vous fait le G. Au début, perso, j'ai eu une sensation de lourdeur. Quand on appuie sur Y, elle met 100 ans, on a vraiment, on sent que c'est vraiment une tronçonneuse, que c'est pas léger. Mais bon, faut savoir s'habituer, c'est cool. On peut acheter des costumes aussi, voilà. On peut sauver des mecs ou les laisser crever sans transformer en zombie pour les crever après. Voilà, B c'est pour sauter. Enfin, moi c'est les manettes d'Xbox, donc B c'est pour sauter. Et X c'est mode pom-pom girl. Parce que oui, c'est une cheerleader, hein, c'est une pom-pom girl. Hein. Voilà. Ah, moi j'ai dit, il est sympa. Il s'est envolé le chip. Mais putain, il a appuyé. Voilà, je suis 7 pour récupérer l'énergie en appuyant sur haut ou bas. Voilà. Mais j'ai déjà rempli là-haut la barre d'énergie. Donc voilà. La monnaie du jeu, les pièces or, médaille zombie ou je sais plus comment on appelle ça. Il y a les argent aussi, c'est plus important. Enfin, je dirais platine vu que l'or. Ouais, je pense que c'est platine en fait, les médailles. Le compteur là à gauche pour dire qu'il faut tuer 5 zombies pour faire avancer la scène quoi. Allez. Voilà. En bas, la gauche, j'allais dire, ouais, la jauge que vous voyez, quand elle se remplit, c'est mode invincible, mode power, mode caméra de merde. Vas-y, t'es enculé. Vraiment de la merde, vraiment. On peut en faire du saucisson là. I got it. Je voulais changer de niveau mais non.
trop spoiler, on va mettre que le premier niveau. Le prologue, c'est bon. On va pas finir non plus, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la qualité graphique et voilà. Donc là, je peux activer, j'appuie sur RT. Là, je les tue tous en un coup, ouais, quasiment. Voilà. Non, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Donc ben voilà quoi, c'était Lollipop Chainsaw sur 360, mais aussi sur Play 3. Ouais. C'est vraiment pas mal, c'est sympa, c'est rigolo. Graphiquement, vous voyez, c'est pas... Mais pour un jeu comme ça, on s'en tape, donc c'est cool. Non, il y a vraiment tout qui est bien, hein, même les commandes elles sont sympas, les musiques elles sont bien. Et que la caméra, des fois, perso, ça fait chier. Mais bon, ça va. Et puis ben voilà, hein. Vous voyez, lui, il a la barre de vie, en fait, violette. Voilà. Je mets la sucette, et voilà. La sucette, elle recharge à peu près la moitié de la zone, hein, de la barre. Donc, ben, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Pas trop vous spoiler non plus. Et puis, ben, à la prochaine pour normalement... Là, on doit être le 11, on est lundi déjà, donc 11 ou 10, je crois que c'est 11. Donc, dans une semaine et demie, pour peut-être Pokémon Blanc 2, si je trouve un link à quelque part. Voilà. Allez, merci à tous et à plus.